Bonjour. Dernier rendez-vous avant le départ demain pour la capitale et l'élection de Miss Ronde France. Perrine Pénisson, élue Miss Ronde Bretagne fin décembre, a essayé l'une des robes qu'elle portera tout au long de l'année lors de ses apparitions. Une robe réalisée sur mesure par une couturière brestoise. J'ai opté pour une matière fluide en bas pour que ce soit harmonieux en fait, au niveau de ses hanches et tout ça, vu qu'elle a des formes, il faut les mettre en valeur. Donc du coup, affiner la taille, galber les hanches et puis mettre en valeur le décolleté. Et puis voilà, je pense que, enfin, j'espère que ça lui plaît. À la campagne, tout comme contrairement ça. À l'élection de Miss France, les critères de sélection de Miss Ronde intègrent un grand nombre de Françaises. Faut-il le rappeler, 80% d'entre elles portent des vêtements au-dessus de la taille 40. La jeune landernéenne de 23 ans ne pensait d'ailleurs jamais pouvoir participer à un concours de beauté. Perrine le dit très bien, en fait, elle aimerait bien pouvoir faire ses courses avec ses copines dans les mêmes magasins et puis s'habiller avec des vêtements qui lui plaisent plutôt que des vêtements dans lesquels elle rentre, quoi. Perrine Pénisson s'est inscrite au concours par curiosité, une expérience qui lui aura apporté un peu plus d'assurance malgré son 1m80 souvent raillé. Il y a toujours quelque chose où on est trop ou pas assez et je pense qu'il faut réussir à se satisfaire de ce que l'on a. Et quand on a les cheveux lisses, on les veut bouclés. Quand on a les cheveux bouclés, on les veut lisses. Et c'est vrai qu'on est jamais content de ce qu'on a et je pense qu'il faut réussir à se satisfaire de ça et réussir à faire de ces différences des atouts. Samedi à Paris, Perrine Pénisson représentera la Bretagne sans complexe. En fait, ça correspond pas vraiment à une année civile.